Vierge, ascendant Vierge, ancienne lunaire, eh bien, ça vous concerne. En tout cas, ce message s'adresse particulièrement à vous sur les 12 autres messages. C'est beaucoup plus en lien avec vous-même. Et c'est très général, évidemment, je ne vous ai pas en visio individuellement et personnellement pour être dans un travail à deux, en tête-à-tête, hein, et vous donner des cartes qui vous correspondent, mais toutefois, il y a toujours des lectures très intéressantes qui émergent de ce genre de tirage. Alors, comme je l'ai dit pour les autres, il n'y a pas de temporalité à cette lecture. Il peut s'agir d'une rencontre que vous faites au bout d'une semaine, un mois ou un an après la publication. Ça n'a pas d'importance. Ce tirage, il est fait au moment où vous le rencontrez. C'est au moment où vous m'écoutez, au moment où vous lisez cette vidéo, que la problématique dans laquelle vous êtes, le questionnement dans lequel vous êtes, a besoin d'une réponse et vient rencontrer ici le message. Voilà, vous n'oublierez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner à la chaîne parce que j'aurai besoin de votre abonnement, si ça vous intéresse, pour pouvoir animer dans le flux algorithmique de YouTube cette chaîne. Je vous en remercie beaucoup. On va commencer par celle de gauche, qui va vous donner un petit peu ce qui a besoin d'être mis en vigilance, d'être regardé, d'être mis en éclairage. Ouais, voilà celle-ci pour vous les vierges. Ne paniquez pas. Bah alors, vous avez tendance à paniquer? Est-ce que vous vous emportez parfois? Est-ce que vous vous inquiétez vite et que vos neurones font la toupie? Ne paniquez pas, vous êtes dans une situation, vous avez peut-être un des éléments de votre vie qui vous taraude un petit peu, qui vous met un peu dans un sentiment d'urgence, un sentiment de « c'est jamais assez bien, c'est jamais assez prêt »,« j'ai encore des choses à faire » ou « je dois m'y mettre, je ne m'y suis pas mis ». Vous voyez cette sensation un peu de « oh là là !» Je devrais, mais je ne l'ai pas fait. Pas de panique, tout va bien. Peut-être que vous pensez qu'on attend de vous certaines choses et ce n'est pas forcément à vous de le faire. Allons-y tranquille, on va aller regarder dans quel champ ça se passe. Allez, pour les vierges. C'est marrant, elle est sortie deux fois celle-ci. La porte de l'amour, on est dans le jugement. C'est le 20 dans les arcanes majeures du tarot. Le 20, c'est le jugement. C'est la reconnaissance, la reconnexion à vous. C'est comme une transcendance. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé, d'être révélé. Et c'est la porte de l'amour qui dit « L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. » Ne paniquez pas. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou peut-être que le sujet qui vous concerne est en lien avec l'amour, un amoureux, une amoureuse. C'est le chant, j'irais, du cœur qui parle ici. Alors, vous êtes invité à ne pas être en surréaction ou de ne pas être en réaction face à cette situation où le cœur parle et de laisser les choses se faire, c'est-à-dire de reprendre votre pouvoir en étant reconnecté à ce que vous ressentez vous, simplement. Vous savez, dans une relation, quelle que soit la relation, que ce soit une relation professionnelle, familiale, anodine, anonyme, une personne que vous croisez dans la rue, ou un amoureux, une amoureuse, ou un enfant, ça se passe à deux. Vous faites votre part, il y a votre part à vous, et il y a celle de l'autre. Et on ne peut pas contrôler l'autre. L'autre, finalement, fait ses choix, ressent ce qu'il ressent. La seule chose que vous pouvez faire, c'est agir en conscience pour vous. Et c'est sans doute ça qui vous a invité un petit peu à regarder en ce moment. C'est prenez votre part, agissez en conscience sur ce qui vous concerne, mais ne cherchez pas à agir sur les 50% qui concernent l'autre, vous voyez? Ne paniquez pas, il peut se passer des choses, mais il y a dans la vie ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et la sagesse nous invite à accepter ce qui ne dépend pas de nous.
Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous annoncer une rupture si c'est le sujet qui vous préoccupe. Et je ne suis pas en train de vous dire aussi, vous ne rencontrerez personne si c'est la chose qui vous préoccupe. C'est laisser faire la vie, ayez confiance, faites de votre mieux, comme disent les accords Toltec. Ne prenez pas les choses pour vous. Hein, c'est là, je connecte aux accords Toltec. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Il y en a quatre. Ils sont précieux et donc c'est vraiment un chemin d'évolution pour vous de vous interroger sur ce sujet-là. Je vais essayer de vous donner quelque chose de plus précis hein, pour vérifier s'il n'y a pas un frein quelque part ou un conseil qui pourrait être donné par rapport à ce sujet-là. Oh, elle s'invite toute seule, mais je ne la prends pas. Je ne prends jamais celle qui saute. Non, je dis ça, mais il n'y a pas de vérité. Je peux changer d'avis, hein. Vous inquiétez pas. Je pense à vous les vierges, regardez, il y a une question qui est en lien avec la justice. Alors, elle est intéressante cette carte ici parce qu'elle dit, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose hein, qui est présent, hein, prégnant à vous en ce moment. Les choses, je dirais, la vie vous rendra justice. Voilà comment j'ai envie de vous le dire. S'il y a un événement qui vous ouvre à l'amour, au cœur, si par exemple, je vais prendre un exemple très simple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous vous dites, je ne me sens pas écoutée dans mes besoins, je ne me sens pas entendue par rapport à mon responsable hiérarchique, il n'est pas empathique, on ne tient pas compte de mes émotions, on ne tient pas compte de moi, vous êtes dans cette transformation du respect de vous-même et la vie vous rendra justice. Peut-être que le fait que lui ne vous rend pas justice, eh bien, c'est un bien pour vous, dans le sens où on cherche toujours un peu le côté, je dirais, le cadeau dans l'épreuve. Eh bien, ce cadeau-là, ce sera que vous allez retrouver ce qui est juste pour vous dans votre vie. Et la vie vous rendra justice. Donc, cette transformation, cette ouverture à l'amour, cette ouverture à vous-même, à ce qui est bon pour vous, ce qui est juste en termes de qui vous êtes vraiment, ça va à un moment donné, ce qui se passe, peut-être ou ne se passe pas, va dans le sens de vous rendre justice dans cette révélation de vous-même. J'espère que je suis claire parce que c'est un peu abstrait, mais vous savez, les domaines dans lesquels vous rencontrez cette lecture sont tellement variés, ça peut être aussi bien le champ familial que professionnel. Là, moi, j'entends que c'est vraiment une question de votre rapport au monde, votre rapport aux autres. Et avec le sentiment, c'est j'ai l'impression de ne pas être vue ou reconnue à ma juste valeur. Hein, j'ai un sentiment d'angoisse, de panique, peut-être de qu'est-ce que je dois faire ou est-ce que je dois prendre une décision. Vous faites votre part tranquillement. La vie se charge du reste. On vous invite à la confiance ici quand même. Je pense que vous l'avez un peu senti, hein, amie vierge. L'équité va venir. L'équité va venir. Écoutez simplement ce qui est bon pour vous, parce que ça, c'est votre axe. Révélez-vous à vous-même. Reconnaissez-vous vous-même. Exprimez-vous dans qui vous êtes et dans cet élan qui est porté par le cœur. Hein, si vous êtes dans l'action de créer un projet, faites-le avec amour. Pas dans le but de recevoir la glorification extérieure, mais dans le but de le faire parce que vous, c'est ce qui compte pour vous. Hein. Et c'est comme ça que vous obtiendrez davantage de justice et de justesse par rapport à ce qui vous préoccupe. J'espère que ça vous est clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vraiment, j'y répondrai avec plaisir. Et bah, écoutez, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est une chaîne qui est lancée, donc ça me ferait plaisir. Si en tout cas vous sentez que c'est intéressant pour vous hein, d'aller plus loin avec moi. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye.